Alors sur la lanterne, on va vous parler de quoi? Enfin, je vais vous parler de quoi dans la lanterne magique. On va parler de deux choses. Une première partie de la lanterne sera consacrée aux rencontres que je vais aller faire sur la région, tout autour du lac, dans les mois à venir. Je vais aller rencontrer des gens qui ont fait des choix de vie un peu différents. Des gens qui ont fait des choix de vie qui m'intéressent. Donc je vous laisserai découvrir un petit peu ça au fur et à mesure. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, on va aller voir Pierrot Zigot, qui, a priori, va devenir chroniqueur sur salagou.tv. C'est pas mal, c'est cool. En deuxième partie, on abordera ma passion, c'est sur l'animation en volume, le cinéma d'animation en volume. C'est une technique très très particulière, très spécifique du cinéma d'animation. Et ben voilà, je vais essayer de vous parler de cette passion et d'un projet sur lequel je travaille. Une série justement utilisant cette technique. Allô Pierrot ? Ouais, c'est Christophe. Ouais, salut, je suis devant chez toi là. À tout. Donc on va rencontrer Pierrot le Zigot. Il n'y a pas de sonnette, alors j'ai dû l'appeler. Nous sommes à la sortie de l'Odève. Ah, il faut préciser que j'utilise une carte un petit peu ancienne, elle n'est pas tout à fait récente, elle date de, je sais pas, 1780, 1760. Bonjour Pierre, oui. Christophe, je vais faire votre portrait. Allez. C'est vrai? On y va? Pierrot alors, Pierrot le Zigot, Pierre Guiraud, parle-nous de toi. Alors, déjà une chose, donc tu vas être, on va être tous les deux sur Salagou TV. Ouais, ben... T'es partant? Partant à 100%, ouais, yes. Ça va être... De l'humour, pour ma part en tout cas, de l'humour, encore de l'humour, et toujours de l'humour, après... Comment vous en êtes arrivé là, monsieur Guiraud? Ben... Déjà tout petit, j'avais ça à moi, donc... je vous cache pas que j'étais un peu le cauchemar des profs. Et puis, une fois adulte, je me suis un peu tassé, et suite à un drame familial il y a une vingtaine d'années quoi, et ça m'a donné le déclic et donné envie vraiment de mettre en avant mon côté humour, provoque et dire ce que j'ai à dire quoi. Et donc du coup depuis les années 2000 j'ai enchaîné l'air du Larzac en bouteille, chaque fois avec un message, c'était pour sensibiliser sur l'environnement. Ensuite j'ai fait mes chèques en bois, j'ai payé les impôts avec une vache pour dire on est pris pour des vaches à lait, donc on va devenir vache. Il y a eu toutes mes actions politiques là, où j'ai inventé la machine à serrer les mains pour me foutre de la gueule des hommes politiques qui vous serrent la main la veille des élections comme si on avait passé Noël ensemble. Ensuite, il y a dernièrement, je me suis présenté sous une étiquette en appelant à voter pour un âne. Et puis voilà, tout ça me plaît, c'est un besoin que j'éprouve. Donc aujourd'hui on me propose de passer à autre chose, c'est-à-dire à du format animé sur Salagou TV. Donc pour moi, c'est une opportunité, c'est un truc que j'avais envie de faire. Alors ça va être de l'humour, toujours de l'humour. Est-ce que je vais réussir? Je sais pas, on le verra. Mais en tout cas, je vais tenter l'aventure. Donc ça va être, je vais faire de la parodie de Flash Info, de la parodie de Météo, de la parodie de Pub, du téléachat et du J'ai testé pour vous. Donc... ça va faire rire beaucoup, il y en a qui riront jaune, ça dépendra des couleurs en fait. D'autres qui riront pas et d'autres qui riront beaucoup. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, qui ne tente rien n'a rien. Quoi. Yes. Ouais, c'est mieux. Ouais. Donc je vais, comme je l'ai déjà dit, je vais pas mal vous parler de l'animation, du cinéma d'animation en volume. On va commencer cette chronique par... par le départ de quelqu'un qui est très 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 important dans le cinéma d'animation en volume, c'est Ray Harryhausen, qui nous a quittés il y a quelques mois.
à l'âge respectable de 92 ans, je crois. Pas de problème, mais il va nous manquer. C'était un très grand maître dans cette technique particulière dont je vais vous parler, le cinéma d'animation en volume. Voilà le lac du Salagou. Fantasy too real, I think it loses the quality of a nightmare, of a dream. Je suis à la bourre, je me réveille, je fais la rubrique stop motion. En fait, vous avez certainement croisé un jour un monstre de Ray Harryhausen. Alors, si vous avez de la chance, vous l'avez croisé dans une salle de cinéma. Sinon, vous avez fait comme moi, vous l'avez vu à la télé. Moi, c'était un film qui s'appelait Jason et les Argonautes. Et là, il y avait des monstres sublimes. Il y avait un monstre qui s'appelait Talos, qui était un dieu de la forge, je crois. Il y avait une hydre, on ne rappelle plus combien elle avait de tête. Et il y avait des squelettes, un combat de squelettes qui est absolument sublime. Bon, je vous mettrai des liens pour en savoir un petit peu plus sur Ray Harryhausen. Je vous propose d'écouter une phrase qu'il a dite il y a quelques années. You make a fantasy too real, I think it loses the quality of a nightmare, of a dream. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je crois que dans cette phrase est contenu le secret du cinéma. On se retrouve la semaine prochaine.